à tous, et bien voilà, on est parti pour Bordeaux. Bon, il va y être d'ici un petit quart d'heure à peu près. Le plus compliqué, c'est de trouver une place. Allez, on peut voir ça. On est arrivé à Bordeaux, pour l'instant il pleut pas. Quelques barrières par terre. On va les repérer un peu. Sandra qui fait le ménage. Ah, le tramway ne passera plus comme ça. Il y a un peu de feuillage quand même. Il faut faire gaffe de ne pas glisser. Bonne branche. Ah, super parapluie. Couvre-tête. C'est gentil. Faut mieux rigoler. Donc je me retrouve de nouveau tout seul parce que madame est partie faire encore une fois son petit popo. Voilà, il m'a laissé tout seul comme un pauvre petit malheureux. Et voilà, le départ se met en place. Avec les différents sas. Donc là, ça va être le demi-tour pour l'arrivée dans les arbres. J'espère qu'il n'y a pas une branche qui tombe sur la tronche. Allez, on est parti pour le petit footing d'échauffement avec Sandra. On va courir tranquillement sur les quais, 15-20 minutes tranquille. Et puis après, on va aller se préparer pour aller à la ligne de départ. Allez, on arrive. On sera sur le deuxième kilomètre à ce niveau-là, avec le poncho à Bonnelmas derrière. Bon voilà, on a fini le petit footing, maintenant on va se préparer. D'ici une demi-heure, c'est le départ à peu près. On va mettre la tenue, le maillot du SRAM. Donc, allez, la tenue est mise, le dossard. Ouais, on est prêt. Allez, branchez dans le sas. Alors, on va se ranger dans le sas. Je sais pas où est Sandra. Tu sais que à Dax, j'avais un peu de Thank you.
maintien, normalement, on devrait avoir une bourse. C'est la fin, allez, 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 reste un kilomètre, allez, 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 c'est dans des kilomètres, là, allez, 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 Sandra, allez, 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 c'est la fin, il reste 200 mètres, là, allez, 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 200 mètres, allez, 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 bon, bon, on a quand même fini notre 10 km de quai, hein. Sous la pluie, avec beaucoup de monde, beaucoup de relances, beaucoup de poteaux, de pluie, de flotte, de glissade. Mais bon, on est arrivé quand même. Bon, ben voilà. Oh, ben on est noyé là sur le pont. Ça a pété. Ah, ben là, c'est noyé. Hein. Oh, oh putain, on va les pieds dans l'eau aussi. Ah non, mais là, c'est pas la peine. Attends ici, avant que ouais, j'accélère des coups, parce que là, il y a la piscine. Parce que là, on va y passer, là. Je passe des coups, hein, mais je pense que j'accélère. Oh là. Oh putain, vraiment, je dépasse Donc voilà, ben je vais vous raconter un peu la fin de ma course, puisque après le 8e kilomètre, la mini caméra est tombée en panne de batterie, encore une fois, comme d'habitude on va dire.
Donc le 8e kilomètre, donc j'étais passé en 3,54, le 9e kilomètre en 3,51, et j'ai donné tout ce que je pouvais au dernier kilomètre et j'ai fini en 3,39. Donc au niveau du chrono, donc chrono officiel, je crois que je suis à 38,56, un truc comme ça. Chrono réel 38,44, ce que j'avais à peu près à la montre, j'avais 38,45. Donc bon bah je suis quand même satisfait, un petit peu déçu quand même. Je pensais passer sous les 38,30, voire approcher les 38 minutes. Mais bon, c'est vrai que les conditions climatiques étaient pas faciles. Le parcours, je l'ai pas trouvé facile non plus. C'était assez glissant, il y avait pas mal d'obstacles, donc il fallait faire vachement gaffe de ne pas se prendre un poteau. Sinon, Sandra a fait une bonne course aussi, compte tenu des conditions et du fait qu'elle soit en préparation pour le semi-marathon de Bordeaux. Je crois que de mémoire, elle a fait 47-37, donc c'est pas son meilleur chrono sur 10 km, mais sur ce parcours-là, elle gagne 30 secondes. Elle l'avait fait, je crois, il y a 3-4 ans. Voilà, donc c'est une bonne course pour elle. Sinon, au niveau de la continuité de ma saison, donc là, je pense que je vais m'orienter sur la préparation des crosses. Peut-être que je vais faire le 5 km de Mako. Voilà, je sais qu'il est, c'est un championnat de Gironde. Voilà, puis j'aimerais bien refaire un petit 5 km. Et après, je vais enchaîner sur les crosses. Donc, je pense faire Gujan-Mestras, Bègles. Et puis après, on enchaînera pour 2024 sur les championnats départementaux, régionaux. Et puis, on verra jusqu'où on peut aller. Voilà. Mais sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir la suite de ma saison. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao !